je dis bonjour à ta rupam tasya kraja muri puri maturim Pratus pratet kripaya sri guru tanatos gurave gaura chandraya radhikaya tadali krishnaya krishna bhaktaya tad bhaktaya namo namah anandilavaya vigraha Ema Bhakti Pyatsachami Sundaraya Tasmai Maha Prima Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sundar Shikanda Shikara Smaraha Sumrali Manora Radhikara Skamam Kripanidhi Supriya Charana Kinkurin Kuru Tavaivasmi Tavaivasmi Najiva Vittaya Vana Divityaya Devitam Nama Charana First of all, I offer my sustained dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmatiya Parmaradatam Guru Pada Padma, Nitya Lila Parvishta Om Vishnu Pada. Ashtotara Satasi Rupanuga Charivarya Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my Sastan Dandavat Pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, to all of his eternal associates, and to our entire Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to Pujpad Sri Aristanasam Prabhu and all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Panchakalpataru Recently, by the courses mercy of Sri Guru and Gauranga, we observed a festival in Rome, and there for 1 week
we were studying Sanatana Shiksha, the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu to Sanatana Goswami. You can find Sri Chaitanya Charamrita Madhilila, chapter 20-24. Donc, nous avons eu la grâce des. Durant un festival précédent à Rome, d'étudier le Sanatana Shiksha, c'est-à-dire l'enseignement de Chaitanya Mahaprabhu à Sanatana Goswami, qu'on peut trouver dans le Chaitanya Charitamrita, Matiya Lila, chapter 20. So, chapter 20 and 21 were focusing on the subject of Sambandha Gyan. Donc, du chapitre 20 et 21, alors le focus était vraiment le sujet du Sambandha Gyan. That means, with whom do we have a relationship? C'est-à-dire avec qui est-ce que nous avons une relation? So the reality is, we have no relationship with this world. En fait, la réalité c'est que nous n'avons aucune relation avec ce monde. Or any of the people, places, or objects of this world. Qui que ce soit de personne, d'objet, de lieu dans ce monde. Our relationship. Eternal relationship is with the absolute truth, Sri Krishna. Notre réelle relation, notre relation éternelle, c'est avec la réalité suprême, Sri Krishna. He is the Advaya Gyan Tattva. Il est le Advaya Gyan Tattva. Krishna Swarupa Vicha Suno Sanatan Advaya Gyan Tattva Braje Brajendananda. Mahaprabhu said, "Oh Sanatan Goswami, listen to this deliberation on the Swarupa of Krishna." Donc, écoutez cette délibération sur la forme de Krishna. Yes, sir. Krishna is Advaya Gyan Tattva. That means the embodiment of non-dual consciousness. Krishna est la personnification de cette conscience non-duelle. So, as long as our mind is in duality, in dual consciousness, we cannot be aware of Sri Krishna, the non-dual consciousness. Tant que notre mental est dans la dualité, dans cette conscience duelle, alors nous ne pouvons pas appréhender Krishna qui est la conscience non-duelle. We cannot even conceive of him. On ne peut même pas le concevoir. So, how does one move from the plane of duality to the plane of non-dual consciousness? Comment pouvons-nous passer de ce plan de dualité au plan de la conscience non-duelle? So now we came in the discussion to chapter 22, which is the Abhideya Tattva, the process of devotional service. Donc là nous arrivons au chapitre 22 qui est Abhideya Tattva, le principe de comment nous mettons cela en pratique. In the beginning of this chapter, Mahaprabhu has described how all the sufferings of the living entities arise because Maya is punishing the living entities because their consciousness is turned away from Krishna. Et donc Mahaprabhu il décrit comment au début de ce chapitre comment les entités vivantes dans ce monde souffrent parce qu'ils sont punis par Maya. Pourquoi? Parce qu'ils ont tourné leur conscience, ils ont tourné le dos à Krishna. That means the living entities are called Krishna Vimukh. Vimukh. Mukh means face, and Vimukh means, in this sense, the face is turned away from Krishna. Krishna, Vimukh, ça veut dire qu'ils ont tourné leur mukha, c'est le visage, et vi, ça veut dire qu'ils ont détourné le visage de Krishna. We are Vimukh. Vimukh can mean we are inattentive. Nous sommes inattentifs. We have no focus of our attention on God. On n'a aucune concentration sur Dieu. And because of that, Maya, the material energy, is punishing the living entity. Et à cause de cela, l'énergie matérielle Maya punit les entités vivantes. So how can our consciousness be turned away from this alluring temporary objects of the material world and of the senses and fixed at the lotus feet of Krishna? Donc comment est-ce que nous pouvons faire passer notre conscience de toute cette cette attirance matérielle de la dualité au pied pareil de lotus de Krishna. So that is the process of bhakti.
Et ça, c'est ce qu'on appelle le processus de la bhakti. So Mahaprabhu explains in the beginning of this chapter that only bhakti yoga is an effective sadhana or practice. Mahaprabhu il explique au début de ce chapitre que seulement le bhakti yoga est un processus efficace pour faire cette transmission de conscience. Why? Pourquoi? Because the path of karma, the path of jnana, the path of yoga, they are all inherently, by nature, indifferent to Krishna also. Pourquoi? Parce que la voie du karma, du jnana et du yoga, ils sont par nature également détournés de Krishna. So they don't address the root cause of our material suffering. Ils ne vont pas adresser la racine de notre souffrance matérielle. And we can extend this to so many modern ideas, whether this is astrology or kundalini yoga or chakras or crystals or whatever it is. These are all different ways of forgetting Krishna. Et on peut étendre cela à tous ces nouveaux processus, le kundalini yoga, les cristaux, et différentes choses comme ça, parce qu'ils sont sous des moyens qui nous éloignent de Krishna. So they don't address the root of our problem. Ils ne vont pas adresser la racine de notre problème. And even Mahaprabhu said, if a person follows the karmas described in the Vedas, the jnana or yoga described in the Vedas, it will not, those paths will not even give their own results without, unless there is a touch of bhakti. Et Mahaprabhu, il dit même que si quelqu'un suit la voie du karma, du jnana et du yoga tel que décrit dans les Vedas, il n'atteindra pas le but qui est décrit par ces pratiques s'il n'y a pas un petit peu une petite goutte de bhakti à l'intérieur. Even a person, Maharaurava Parimaji, if you follow all the rules and regulations of Varnashram Dharma perfectly, but he does not do bhakti, then instead of going to Swarga, he wants to go to Swarga, that's why he's doing karma, he'll go to Maharaurava, to hell. En fait, il est même dit que quelqu'un qui suit le Varnashram Dharma parfaitement, mais il oublie de faire ses activités dévotionnelles, sa bhakti, alors le but qui est du Varnashram Dharma, qui est d'atteindre les planètes édéniques, ne pourra pas atteindre ce but, au contraire, il ira dans une situation infernale. Maharaurava. Maharaurava. So now Mahaprabhu is doing a very beautiful presentation. Mahaprabhu il fait une très belle présentation. Because he's showing us that if you follow other paths perfectly, you get an inauspicious result. But if you follow bhakti, even imperfectly, you'll still become perfect. Mahaprabhu il explique que si on suit différentes voies parfaitement, alors on n'atteindra rien d'auspicieux. Alors que même si on suit la bhakti de façon imparfaite, quand même le résultat sera auspicieux. Satyam dishatatito atito nanam. Mahaprabhu said, if you're doing bhakti with material desires. Par exemple, il dit si vous faites de la bhakti mais avec des désirs matériels. This is not good. Ça, c'est pas très bon. But still, because it is the path of bhakti, if you do bhakti with material desires, then bhakti is very powerful. By the power of bhakti daily, those desires will be fulfilled, but in such a way that you give them up. En fait, donc, la bhakti est tellement puissante que si nous pratiquons la bhakti avec des désirs matériels, alors la bhakti va satisfaire ces désirs matériels, mais d'une certaine façon que nous allions vouloir les abandonner. And then leaving them behind, one's bhakti will be pure, and one can attain the greatest treasure of love for Krishna. Et abandonnant ces désirs matériels, la bhakti sera pure et nous pourrons atteindre le plus grand trésor qui est l'amour de Krishna. So now we're coming to verse 46. Mahaprabhu is saying, discussing now, how do we attain this path of bhakti yoga? Mahaprabhu, dans le verset 46, il explique comment est-ce que nous pouvons atteindre cette voie du bhakti yoga. So, he is quoting a verse spoken by, it's one of the prayers of Muchukunda Maharaj to Sri Krishna in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. C'est une des prières de Muchukunda Maharaj dans le 10e chant du Bhagavatam, une prière à Krishna. Bhavapavago janato yada bhavetch janasya taryachata satsamagama satsangama yahi tadaiva sakkamo paravareshi
che twai jayate mati. In this verse, Muchukunda Maharaj is praying, when a living entity is wandering in this ocean of material existence and he meets a sadhu, then his material existence comes to an end. Muchukunda Maharaj, il décrit que quand une entité vivante erre dans cet océan de l'existence matérielle, s'il arrive de rencontrer un sadhu, alors son existence matérielle est dissoute. Actually, in his words, he said, when the material existence comes to an end, then he meets a sadhu. En fait, vraiment, dans le verset, c'est plutôt dit, quand son existence matérielle finit, alors il rencontre un sadhu. So, but he means the first thing that he said. Mais la réelle signification, c'est la première chose qu'on a dit. Because this is one technique in poetry. Parce que c'est une forme poétique. It is called Atishay Alankar, the embellishment of hyperbole. Atishayokti Alankar. Atishayokti Alankar. The embellishment of hyperbole. What is hyperbole? Exaggeration. Ah, l'embellissement de l'accélération. So there are four types of the Atishayokti Alankar, and this is the one where, to stress something, the cause and effect are described in a reverse order. En fait, pour mettre l'accent sur quelque chose, alors l'ordre est inversé. Montrer comment, à quel point ça va vite. So he's saying, oh, when your material existence comes to an end, then you meet a sadhu. Donc il dit, quand votre existence matérielle se finit, alors vous rencontrez un sadhu. But what he really means to say is, when you meet a sadhu, material existence is over. Mais donc, ce que ça veut dire réellement, c'est au moment où vous rencontrez un sadhu, alors l'existence matérielle est finie. But he is emphasizing that through this poetic embellishment of reversing the karya and karan, cause and effect. Et il met vraiment l'accent en embellissant par cette technique poétique de inverser la cause et l'effet. For example, par exemple, a poet may say, un poète pourrait dire, there was a villain, a demon, il y avait un méchant, and there was a hero, il y avait un héros. So the demon approached the hero to fight with him. Et le démon et le héros sont approchés pour se battre. So then the poet will say, the demon fell down dead, and the hero drew his sword. Par exemple, il dira, le démon est tombé sur le sol mort alors que le héros tirait son épée. Actually, it was the other way around. First he drew the sword, and then the demon fell down dead. But the poet will say backwards to show how it was so fast, it was so decisive, it was so emphatic. So he said it the other way. Mais le bien sûr, ça a été dans l'autre sens. D'abord, il a tiré son épée, après le démon est tombé mort. Mais c'est pour vraiment mettre l'emphase sur la rapidité avec laquelle ça s'est passé. So decisive. C'est tellement une action décisive. So certain. C'est tellement certain. So Sri Chaitanya Mahaprabhu is quoting this verse to express to us the certain power of sadhu sangha. Mahaprabhu, il a choisi ce verset vraiment pour certifier et nous montrer la puissance ou la decisiveness, comme on dit. Absolutely certain. Voilà, la certitude du sadhu sangha. Very good. Certitude. Bien. So, in this verse, Muchukunda Maharaj is saying, because Yahi Tadaiva, Tada, at that time, when he meets a sadhu, then Paravareshe Twai Jayate Mati, that soul develops a mati, that is, awareness of Krishna, at that Tadaiva, at that time. Donc ce verset, il dit, à ce moment-là, alors cette âme spirituelle, elle développe une certaine conscience de Krishna. This verse in Srimad Bhagavatam, it ends Paravareshe Twai Jayate Mati, or sometimes Jayate Rati. Also, there's called Patantar. Sometimes there are two different ways of pronouncing this verse. Parfois ce verset se lit par Mati ou par Rati. C'est aussi. So Mati means the consciousness of Krishna, and Rati means love.
Attachment of the heart to Krishna's lotus feet. Mati veut dire la conscience de Krishna, alors que Rati veut dire l'amour, l'attachement vraiment aux pieds de Rati. And that awareness comes tada at that time. Et cette conscience, elle vient à ce moment-là, tada. Tada eva and eva means certainly, certitude. Eva veut dire la certitude, certainement. The implication of tada eva is that certainly, by sadhu sangha we become aware of Krishna, and certainly without sadhu sangha we don't become aware of Krishna, both positive and negative. Donc ça insiste vraiment sur ces deux aspects. Certainement, si nous rencontrons un sadhu, nous devenons conscients de Krishna. Et ça veut dire aussi négatif. Certainement, si nous rencontrons pas de sadhu, alors pas de conscience de Krishna. In other words, tadaiva means at that time and only at that time, not at another time. Tadaiva, ça veut dire à ce moment-là. Et certainement pas à un autre moment, ça ne marchera pas. Si ça n'arrive pas, ça ne marchera pas. So, why is that? Non, alors pourquoi? Because people can have a doubt. Maybe just a random person at some time, by his own effort, he can become God conscious. Alors on pourrait avoir un doute, se dire, bah, peut-être qu'une personne comme ça, au hasard, elle pourrait d'un seul coup devenir conscient de Dieu par ses propres efforts. But Mahaprabhu saying tadaiva, no, impossible. C'est impossible. The cause of bhakti is always sadhu sangha. La cause de la bhakti, c'est toujours sadhu sangha, la compagnie des sadhus. Why? Pourquoi? Anarga vidya yuktasya. In this world we have avidya. Dans ce monde, nous sommes sous l'emprise avidya, de l'ignorance. So this word ignorance, it's not very clear what it means in any language, English, in French, in Latin. Ce mot ignorance, c'est pas vraiment clair ce que ça veut dire dans tous les langages d'ailleurs. But in Sanskrit, it is very precise. Mais en sanskrit, c'est très, avidya, c'est très précis. So try to understand it. Donc, essayez de comprendre. If there is a crystal. S'il y a un cristal, and you hold a red rose next to the crystal, et vous portez une rose rouge près du cristal. Now, when you look at the crystal, you see it shining with the color red. Alors le cristal brillera avec un rougeoiement. Is there any redness in the crystal? Mais est-ce qu'il y a vraiment du rouge dans le cristal? No, but rather the redness from the rose has become superimposed there. En fait, non, c'est le rouge de la rose qui s'est surimposé au cristal. So that which doesn't belong to an object, but has become superimposed, is called upadhi, a designation. Donc, upadhi, c'est quelque chose qui n'appartient pas à un objet, mais qui est imposé à l'objet. So that redness doesn't belong there, it's an upadhi designation. La rougeur n'appartient pas au cristal, c'est une désignation upadhi. So in the same way, our atma, our soul, has an upadhi. De la même façon, notre âme, elle a une upadhi. What is that? Et qu'est-ce que c'est cette upadhi? Your body and your mind. Votre corps et votre mental. The gross physical body and the that is called the stul shriya and shukshma or ling shriya, subtle body, they are both upadhi on our spirit. Donc le corps grossier et le corps subtil, ils sont tous les deux des upadhi sur notre esprit, sur notre âme. They have nothing to do with us. Ils n'ont rien à voir avec nous. Nothing. Rien du tout. What is your relationship with your body and mind? Quelle est ta relation avec ton corps et ton mental? You could say, oh, my best friend. C'est mon meilleur ami, only friend. Every day I wake up, my mind says, good morning. Where is the cappuccino? What's on TV? And our soul is embracing the mind. Notre âme, elle embrasse le mental. Oh, my body is so nice. But what is our actual sambandha relation with the body and mind? Mais quel est notre vrai sambandha avec notre corps et notre mental? Srila Vishnu's Thakur Thakur, he says this is a shashi sangha sambandha, like the relationship between the horns and the rabbit. Horns, no? Les cornes. Non, les cornes. Les cornes, ah, ok.
Donc si la Vijvana est un tambour, il dit c'est la même relation entre les cornes et le lapin. Rabbit, yes. Have you seen a rabbit's horns? Est-ce que vous avez déjà vu des cornes de lapin? Have you seen a rabbit's horns? Quelqu'un a vu des cornes de lapin? Why? Pourquoi? Because there's no relationship with rabbits and horns. Parce qu'il n'y a aucune relation entre un lapin et les cornes. So, the relationship that rabbits have with horns is the same relationship that your soul has with your body and mind. Donc cette relation Nothing. Qu'un lapin avec des cornes, c'est la même relation que vous avez qui est entre votre âme et votre corps et votre mental, c'est-à-dire rien du tout. Nothing. Rien. I can hear some of you whispering, oh, what is Brent Bowen saying? Je peux entendre votre mental dire qu'est-ce qu'il y a. I don't accept. Je ne peux pas accepter ça. I am related with my body and mind. Je suis relié avec mon corps et mon mental. I looked in my passport and it was there. So, why is your heart whispering like this? Pourquoi est-ce que notre cœur il chuchote comme cela? C'est And making obstacles to the Shravana. Et créer des obstacles au Shravana à l'écoute. Because of avidya. À cause de avidya. The upadhi is superimposed. The superimposition is called adhyas. Donc l'upadhi qui s'impose, on appelle ça adhyas. Adhyas. So that which does adhyas, that energy which does adhyas superimposes the upadhis onto our consciousness is called avidya. Cette énergie qui fait adhyas, qui superimpose c'est quelque chose qui ne nous appartient pas sur nous, ça s'appelle cette énergie avidya. It is the called the avidya vritti of maya, the ignorance function of maya. Avidya vritti de maya, c'est-à-dire la fonction d'ignorance de maya. Because of this avidya, which causes the conjunction between our soul and the objects of the material world, we cannot get out or even understand we are in this situation. À cause de cette avidya qui lie notre âme aux objets de ce monde matériel, fait que nous sommes complètement coincés et souvent nous n'avons même pas conscience de notre situation. And avidya subjectively brings to us the abhav. That means the absence of awareness of God. Et cette avidya subjectivement, elle apporte à notre âme abhav, c'est-à-dire que nous n'avons plus aucune conscience de Dieu. Bhav means existence, abhav means the non-existence. Bhav veut dire existence et abhav veut dire la non-existence. So in our consciousness, there is the non-existence of awareness of God, Tattva Gyan. Dans notre conscience, nous avons cette non-existence de la conscience de Dieu. And we cannot remove it in any way. Et nous sommes complètement impuissants, nous ne pouvons pas l'enlever. Only a person who is free from avidya. Seulement une personne qui est libérée de cette avidya. A person who has the consciousness of God. Une personne qui a cette conscience de Dieu. Simply by their association, then we begin to become conscious. Simplement par leur compagnie, leur proximité, nous commençons à devenir conscients de nouveau de Dieu. So in this verse, Mahaprabhu is teaching to Srila Sanatan Goswami, he's saying, Bhava bhava go janato yada bhavets janasya taryachuta satsamagama satsangamo jahi tadaiva satkato. He uses this word satkato. And it is a name of Krishna. Donc, satkato. Mahaprabhu, il enseigne à Sanatana Goswami dans ce verset en utilisant le mot satkato qui est un. So it means his consciousness goes in the satgati. Krishna is sat, the sadhu, and gati means refuge. So Krishna's name is Sadgati, the refuge of the saints. Donc Sat, ça veut dire le sadhu, et Gati, ça veut dire le refuge. Donc un nom de Krishna, Sadgati, ça veut dire le refuge des sadhus, des saints. But Gati also means going. Gati, ça veut dire aussi aller. That means that wherever there is a sadhu, and sadhus come together with the devotees and engage in hearing, chanting and remembering, Krishna comes there.
Ça veut dire aussi que partout où les sadhus s'assemblent avec les dévots et chantent, écoutent et se souviennent des gloires de Krishna, alors immédiatement Krishna vient là. Yes. Krishna said, Naham basami vaikunte yoginam vridiyena cha yatra gayanti madbhakta tatra tistami narada. Oh Narada, I don't live in Vaikuntha, the spiritual world. Krishna il dit, oh Narada, je ne vis pas à Vaikuntha dans le monde spirituel. I don't live in the hearts of the yogis. Je ne vis pas dans le cœur des yogis. But in that place where my pure devotees are doing kirtan and speaking harikatha, I come and I stay there. Mais dans ce lieu où mes purs dévots chantent mes gloires, il y a les kirtan et les harikatha, alors je viens là. And also, également. That means the word gati here also means spurti. Gati, ça veut dire aussi spurti. Spurti means a glimpse, a momentary vision. Comme une vision, comme un flash, une vision momentanée. It means, it comes from spurt, it means bursting. Ça, c'est comme un mini, comment on dit, bursting, explosion. Yes, that when we are in sadhu sangha and we listen with great faith and respect, Krishna comes there, and in the heart of whomever is listening, Krishna appears there. He bursts into the consciousness of those who are listening. Ça veut dire que si nous pouvons vraiment écouter sincèrement avec respect le Harikatha, alors Krishna viendra dans le cœur et se manifestera comme ça. Jayate rati, and then those persons they develop love for Krishna. Et ces personnes-là, alors ils pourront développer cet amour pour Krishna. So we enter into the path of bhakti by sadhu sangha. Donc nous entrons dans cette voie de la bhakti par la compagnie des sadhus. And in sadhu sangha, by listening with faith and great honor, we have a flash in our heart, and we know Krishna is supreme Lord. He is real. This is not a fairy tale or mythology. Et par cette sadhu sangha, par l'écoute sincère et respectueuse, alors d'un seul coup, oh, nous ressentons, nous avons cette vision de Krishna et nous réalisons, oui, c'est vrai, c'est pas simplement de la mythologie ou une belle histoire. So, from that small realization, we become inspired now to fully engage in bhakti, so that we can attain a full realization. Et de cette petite réalisation, alors nous allons être encouragés à vraiment nous absorber complètement dans la bhakti pour obtenir la pleine réalisation. Now, someone may raise the question, but sometimes we see that people come into sadhu sangha, but they don't take up bhakti and they don't become serious about this path. Mais on pourrait avoir ce doute que oui, mais il y en a qui viennent au sadhu sangha et puis finalement ils ne vont pas prendre, accepter ce chemin, ou ils ne vont pas faire d'efforts pour avancer sur ce chemin de la bhakti. Why? Pourquoi c'est? It indicates the presence of some offense, some aparad. Donc ça indique la présence d'aparad. Otherwise, sadhu sangha is infallible medicine. Parce que sinon, la sadhu sangha c'est une médecine, un médicament infaillible. Someone may come into the sadhu sangha and they are with squinting eyes. Who is this person? Peut-être quelqu'un va venir au sadhu sangha puis comme ça avec les yeux comme ça, il va dire qui c'est cette personne. No respect, measuring, with a critical mind. Avec un mental très critique, pas possible d'avoir du respect. And trying to measure. Et va essayer de mesurer l'avancement. So they cannot experience the power of sadhu sangha. Alors de cette façon-là, ils ne pourront pas expérimenter la puissance du sadhu sangha. Just like Nalukuver and Manigriva. Tout comme Nalukuver et Manigriva. They were the sons of the Kuvera, the treasure of heaven. Ils étaient les fils de Kuvera, qui est le trésorier des planètes héléniques. And they were in one very beautiful lake. They were naked. They were taking intoxication, and they were enjoying like a pool party with some beautiful apsaras. Et ils étaient dans un très beau lac, en train de s'intoxiquer avec des apsaras. Les danseuses des planètes hédéniques. So when Narada Muni was approaching that place, then the apsaras, the heavenly damsels, seeing him coming, they became embarrassed. They immediately covered themselves and came out from the water. Alors quand Narada Muni s'est approché, quand les demoiselles elles ont vu Narada Muni, tout de suite elles ont eu honte, elles se sont vraiment habillées, elles sont allées
sont sortis du lac et se sont cachés. So, Nalukuvera Manigriva, hey, girls, where are you going? Nalukuvera Manigriva, mais come back! Les filles, est-ce que vous allez? And then the party is not over yet. Revenez, la fête n'est pas finie. And then they saw that the root cause of the end of their party was Narad Muni was coming. Et ils ont vu que la cause de la fin de leur fête. C'était Narada Muni qui arrivait. So they were standing there, intoxicated and naked, and criticizing Narada Muni. Et ils étaient là debout, tout nus, intoxiqués, et ils critiquaient Narada Muni. So Narada Muni gave them a curse. Narada Muni les a maudits. Oh, you are standing naked like a tree. Tu restes comme ça debout, tout nu comme un arbre. So you should both become trees, Yamal Arjun trees. Alors vous allez tous les deux devenir des Yamal Arjun trees, des arbres. When they heard this, they became afraid and they fell at the feet of Narada Muni. Quand ils ont entendu ça, ils ont eu très peur, alors ils se sont prosternés aux pieds de Narada Muni. And they begged for forgiveness. Et ils ont demandé pardon. So, actually, their father Kuvera is a very good friend of Narada Muni. En fait, leur père Kuvera, c'était un très proche ami de Narada Muni. So they have some relationship. Alors ils avaient déjà une certaine relation. And Narada Muni felt very sorry for them. Et Narada Muni a eu pitié d'eux. Oh, my friend Kuvera, his sons have become very degraded. Oh, mon ami Kuvera, ses enfants, ils sont devenus tellement dégradés. Because that generally happens if someone is very wealthy, then their children, they grow up surrounded by wealth, they don't appreciate anything, and they become very wayward and undisciplined and out of control. Généralement, quand quelqu'un est très riche, alors les enfants, ils vivent vraiment dans l'opulence et donc ils n'apprécient plus la valeur des choses et petit à petit ils se dégradent. Because they've been spoiled. Parce qu'ils ont été pourri gâtés. Yeah. So he saw this is what happened to the sons of Kuvera because he's the most wealthy person. Donc il a vu, parce que Kuvera c'est le plus riche personne de l'univers, donc il a vu c'est ce qui s'est passé pour ses enfants. So all right, you'll become trees for 100 years. Il a dit ok, vous allez devenir des arbres pendant 100 ans. But it will be in the garden of Nanda Maharaj in Gokul Mahavan. Dans le jardin de Nanda Maharaj à Gokul Mahavan. So they had 100 years to think about their sins. Ils ont eu 100 ans pour vraiment réfléchir à leur situation. And they become Tanada Pisuni Tena, Toro Pisuni Tena, Tolerant as a tree. And then, by the blessing of Narada Muni, baby Krishna came there. He was tied to the grinding motor by his mother and he liberated them from that condition. Et par la grâce de Narada Muni, bébé Krishna est attaché au mortier et il les a libérés de cette condition. So then, they prayed to Krishna. Ils ont prié à Krishna à ce moment-là. They said, sadhunam samachittanam. Matkritatman sutaram matkritatmanam. Darshanam no bhaved bhanda pungsukshno saviturayata. The meaning is this. Oh Krishna, your sadhus are samachitta. They are Samachitta, their mind is in equilibrium. Donc ils ont prié vraiment à Krishna. Oh, Krishna, tes sadhus, ils sont samachitta. Ça veut dire leur mental est complètement en équilibre. They are never disturbed by the dualities of this world. Ils ne sont jamais perturbés par les dualités de ce monde. Sutram matkritatmanam. Oh Krishna, your sadhus have completely dedicated their heart in your service. Oh, tes sadhus, ils ont complètement dédié leur cœur à ton service. Darshanam no bhavet bhanda pungsukshno saviturayata. Just as if you look at the sun in the sky, there's no obstacle between your eyes and the light of the sun. Tout comme lorsque nous regardons le soleil dans le ciel, alors il n'y a aucun obstacle entre notre œil et le soleil. So similarly, when you look at a sadhu, there is no bondage for you anymore. Et de la même façon, lorsque nous regardons un sadhu, alors il n'y a aucun attachement pour vous. When we have the darshan of a sadhu, there is no obstacle between us and Goloka Vrindavan. Lorsque nous regardons un sadhu, alors il n'y a plus aucun obstacle entre nous et Goloka Vrindavan. The problem is that we take our mind, our eyes away from the lotus feet of Gurudeva. Le problème, c'est if it was fixed, then Shri Guru Charanirati, Aisi Uttamagati.
Le problème, c'est que nous, nos yeux et notre mental, nous les détournons des pieds de lotus de Krishna. Sinon, du sadhu. Sinon, s'ils étaient vraiment fixés, alors immédiatement, on aurait là cette miséricorde. So here we see that Navakuvar and Manigrif, they could have attained there and then. They could have attained praying for Krishna, but because they were offensive then, they did not attain it then. But Narad anyway prayed for them, and 100 years later, then they attained love for Krishna. Ils auraient pu atteindre l'amour de Krishna ici et maintenant dans ce lac en voyant Narada Muni, mais à cause de leurs offenses, alors par la grâce de Narada Muni, ils l'ont atteint 100 ans après. So we have to decide when we have sadhu sangha. If we have the honor from the core of our heart, then we can attain love for Krishna just now. Otherwise, we may have to wait 100 years. Donc ça dépend de nous. Si nous voulons vraiment, lorsque nous avons la chance d'être en sadhu sangha, donner notre cœur et atteindre tout de suite maintenant Golok Vrindavan, ou si nous préférons attendre encore quelques centaines d'années. 1000 years. Oui, milliers d'années. So. If offense is present, then the power of sadhu sangha will not act. Donc si les offenses sont présentes dans notre cœur, alors la puissance du sadhu sangha n'agira pas. But even if offense is present and the sadhu will pray for us, then the power of that mercy will act, but it will just take some more time. Mais si les offenses sont présentes mais que le sadhu prie pour nous, alors on atteindra cet amour pour Krishna, mais ça prendra un petit peu de temps. So, there is an example of the great king Uparicharavasu. Donc il y a un grand roi qui s'appelait Uparicharavasu. Uparicharavasu, he was a very powerful king, and the demigods enlisted him in their war fighting against the demons. Et donc c'était un roi très puissant au combat, et donc les devas, les demi-dieux, ils l'ont embauché, on va dire, comme un mercenaire pour venir se battre avec eux. And he was very successful. He killed so many demons, but when the battle was over, he said, "Now I want to go into bhajan." Et donc il s'est battu pendant très longtemps, et quand la bataille a été finie, après avoir tué beaucoup de démons, il a dit, "Oh, maintenant je veux juste me reposer et m'absorber dans mon bhajan." So he left and he went to his ashram and began to become absorbed in remembrance of Supreme Lord. Et donc il s'est retiré, il est allé dans son ermitage, dans son ashram, et il s'est commencé à devenir absorbé dans les souvenirs du Seigneur Suprême. At that time, the demons thought, "Now is our chance to take revenge." Et là, les démons, ils se sont dit, "Ah, c'est le moment où on va pouvoir se venger." Because before he was with his weapons and ready to fight, now he's meditating. We can go and kill him. Avant, he won't even see us coming. Avant, il avait ses armes et il nous attaquait. Maintenant, il est sans armes, il est en train de méditer. Il va même pas nous voir arriver. So all the demons with weapons in their hands, from all sides, they surrounded him and they were creeping up on him while he was meditating. They wanted to chop him up. Et donc tous les démons l'ont encerclé, sont approchés de lui petit à petit, alors qu'il était complètement absorbé. Ils voulaient le découper en morceaux. So Uparicharavasu was so powerful that just by the power of his devotion, as they approached him with their weapons, they froze and they could not move. Mais il était tellement puissant que par la force de sa dévotion, alors au moment où ils ont tous voulu le couper, alors ils étaient complètement tétanisés. They all looked at each other. What's going on? Ils se regardaient les uns les autres. Qu'est-ce qui se passe? Stab him. You stab him. Allez, poignardez-le, toi. I can't move. Je ne peux pas bouger. So they went away and they spoke to their guru, Shukracharya. Donc ils sont allés voir leur maître spirituel, Shukracharya. He said, "You cannot kill him because he's in samadhi. And his samadhi is very powerful. Vous pouvez pas le tuer parce qu'il est en samadhi. Le samadhi c'est très puissant. So you should go and surround him and preach loudly atheism." Donc vous devriez vous asseoir autour de lui et d'une voix forte parler des gloires de l'athéisme. And it will break his samadhi when his samadhi is broken. Et donc ça cassera son samadhi et lorsque son samadhi sera cassé, vous pourrez le poignarder. So then they all surrounded him. Alors ils l'ont tous entouré. There is no God. Dieu n'existe pas. When you're dead, you are dead. C'est la fin. And religion is only mythology for children. C'est la mythologie pour les enfants. All the crazy stuff that atheists say. Les choses bizarres qui sont dites là-dedans.
Atheists actually one kind of mental disorder to them. Disorder mental. Yes, yes. So they're all crazy and they were preaching atheism. So Upparichara Vasu, he was sitting and he could hear them all completely crazy. And he thought, oh, this is so sad, they must be suffering so much. Donc il était en méditation, il pouvait entendre tous ces arguments vraiment bizarres et il a vraiment eu de la compassion, de la tristesse pour eux. Ils doivent tellement souffrir, ces pauvres gens. So he prayed, oh Bhagavan, please give your mercy to them. Et il a prié, oh Bhagavan, s'il vous plaît, donnez-leur votre miséricorde. And they all became Vaishnavas. So Vaishnavera Abhidhani Krishna Dayamai Ehino Pamara Prati Avine Sadai. When a Vaishnava will pray to Krishna on our behalf, then Krishna's mercy will come for sure. Quand un Vaishnava prie Krishna de notre part, alors pour nous, alors sans aucun doute la miséricorde de Krishna viendra sur nous. So we have to try to serve a Vaishnava in such a way that he'll pray for us, then our life will be successful. Nous devrions servir un Vaishnava d'une façon où il est inspiré à prier pour nous, et là notre vie deviendra parfaite. Now one may say, I have heard in the seventh canto of Srimad Bhagavatam that Prahlad Maharaj has prayed for the deliverance of all living entities. Alors on pourrait dire, j'ai entendu dans le septième chant du Bhagavatam que Prahlad Maharaj, il a prié pour la délivrance de toutes les entités vivantes de l'univers. So why are we still here? Because that was millions of years ago in Satyayuga, now Kali Yuga has come and we're still here. Il y a des millions d'années pendant Satyayuga et là on est encore là au Kali Yuga. So how can we believe this Srimad Bhagavatam? Comment est-ce qu'on peut avoir foi dans ce Srimad Bhagavatam? So the answer is this, that when a Vaishnava prays, then he has to remember you in his mind. Alors la réponse est que quand un Vaishnava prie pour vous, il doit se souvenir de vous dans son mental. Then Krishna's mercy will come. Alors la miséricorde de Krishna vient. Well, you can see, Prahlad Maharaj prayed to Lord Nishinadev. Vous pouvez voir que Prahlad Maharaj, il a prié le Seigneur Nishinadev. Prayena devam muniya svavimukti kama mounam charanti vijane na parata nishta naitan vihaya kripanan vivamuksh eko nanyam todasya sharanam bhajatonu pasye. Very beautiful verse. Prayena deva muniyo svavimukti kama. Oh my Lord, there are many munis, many sages, and svavimukti kama, they want their own liberation. Oh mon Seigneur, il y a tellement de sages, de grands sages qui veulent simplement leur propre libération. Mounam charanti vijane. They stay alone and they observe silence. They don't go to anyone. If anyone will come, they're in silence, they don't talk to them. En fait, ils restent seuls dans le silence, ils vont voir personne. Et si quelqu'un vient les voir, simplement ils restent dans le silence. Na parata nishtaha. They have no nishtha, no faith in the benefit of the other people. Ils n'ont aucune foi dans le bénéfice qu'ils pourraient faire à d'autres gens. But Prahlad Maharaj said, but my Lord, I am not like them. Et Prahlad Maharaj dit, mais moi, mon Seigneur, je ne suis pas comme eux. Naitan vihaya kripanan vimamuksha eko. Prahlad Maharaj said, my Lord, I don't want to be delivered without them. Il dit, oh mon Seigneur, je ne veux pas être délivré sans que eux soient délivrés. So here, Prahlad Maharaj is saying, Naitan vihaya kripanan. Materialistic persons are very miserly and miserable. They are kripana. Les personnes matérielles sont kripana, ils sont très avares et misérables. But I don't want to be delivered without these people. Mais je ne veux pas être délivré sans que ces gens-là soient délivrés. So Naitan is Naitan means these. Naitan, ça veut dire c'est. So tat in Sanskrit, tat etat, that and this. Tat etat, ça. So, Eitan refers to those in one's proximity.
Etat, ça veut dire ceux qui sont dans notre proximité. So Prahlad Maharaj is saying, I don't want to be liberated without these people, meaning those people he knows, those people he has met in his life. Quand il dit, je ne veux pas être libéré sans ces personnes-là, ça veut dire ces personnes qu'il a rencontrées dans sa vie. Because at that moment when Prahlad Maharaj is praying, it's not possible for him to call into his mind the remembrance of every single living entity in the whole universe because he has not met everyone. Parce que c'est pas possible pour lui au moment où il fait cette prière de se souvenir de toutes les entités vivantes de tous les univers ou même de tout l'univers parce qu'il ne les a pas rencontrés. But those who he has known, those who he has met, he recalled them in his mind and prayed for them. Mais ceux qu'il a rencontrés durant sa vie, alors il s'est souvenu d'eux et a prié pour eux. So they were liberated. Et ils ont été libérés. But Lord Nrisimhadev understood the heart of Prahlad Maharaj and he said, I'll give you the benediction that anyone who will remember your prayers and remember our pastimes together, they will soon be liberated from this world. Mais le Seigneur Nrisimhadev, il connaissait le cœur de Prahlad, sa compassion, donc il a dit, je te donne cette bénédiction que ceux qui se souviennent de tes prières et qui se souviennent de notre relation, alors ils seront rapidement libérés du monde matériel. So, it is essential that we come into Sadhu Sangha with the greatest honor and with a very high expectation. En fait, nous devrions venir en Sadhu Sangha avec beaucoup de respect, d'honneur et aussi avec des grands espoirs. If you come into Sadhu Sangha thinking, oh, today I may be entertained. Si je viens au Sadhu Sangha en me disant, ah, ça va être sympa, quoi, je vais bien m'amuser. I am bored, I'll hear some funny stories, it will pass the time. J'ai pas grand chose à faire, je vais aller écouter, il va y avoir des petites histoires sympas, ça va bien passer le temps. This is not good. En fait, c'est pas la façon de faire. If you think, I will come and learn some knowledge. Information. Si nous pensons, tiens, je vais venir au Sadhu Sangha et je vais entendre des nouvelles informations, c'est pas bon. Sadhu Sangha is one of the angas of bhakti. Sadhu Sangha, c'est une des parties des angas de la bhakti. It is one type of devotional service. Une certaine façon de pratiquer le service de dévotion. Sadhu means sadnoti sadhayati iti sadhu. One who is performing sadhana and causes us to engage in sadhana is called a sadhu. Un sadhu, c'est quelqu'un qui pratique lui-même sa sadhana et qui, par sa présence, nous encourage ou nous fait pratiquer le sadhana. One who is situated in a loving relationship with Sat, the absolute truth, Sri Krishna, is called sadhu. Celui qui est situé dans une relation plein d'amour avec Sat, Sri Krishna, alors on l'appelle un sadhu. Now, sadhana means that by which we attain our sadhya, goal of life. Sadhana veut dire le processus par lequel nous atteignons sadhya, le but de la vie. So, only hearing and chanting in a haphazard or careless way is not sadhana. Juste chanter, écouter, mais d'une façon très banale, ordinaire, c'est pas vraiment la sadhana. When we engage our senses in hearing, chanting and remembering all the aspects of bhakti for the explicit purpose of attaining one eternal perfect mood, then it's called sadhana. Lorsque nous utilisons tous nos sens, toute notre concentration vraiment pour atteindre une chose qui est une certaine humeur, un certain type d'amour pour Dieu, c'est ce qu'on appelle la sadhana. For example, nitya siddhasya bhavasya prakatam mridi sadhyata. In the spiritual world, there are nitya siddha, eternally perfect associates of Krishna. Par exemple, dans le monde spirituel, il existe des nityasiddha, des compagnons éternels de Krishna, qui sont éternellement libérés. They are full of bhav, spontaneous emotion. Ils sont emplis de bhav, d'émotions spontanées. So when we engage in hearing, chanting and remembering, in order only to receive the light of their bhav,
then it's called sadhana. Lorsque nous pratiquons cette sadhana exclusivement pour attirer ou recevoir cette, la lumière de leurs bhavas, de leurs émotions transcendantales, alors on appelle ça la sadhana. So now you can ask yourself, you can take your own pulse like Ayurvedic doctor and ask yourself, am I doing sadhana or not? Et maintenant vous pouvez prendre votre propre pouls et vraiment être introspectif et vous demander, est-ce que vraiment je pratique une sadhana ou pas? So the sadhu is the person who teaches us our sadhya. What is the goal that Nityasiddha Bhava? Le sadhu, c'est celui qui nous enseigne quel est le sadhya, le Nityasiddha Bhava, le but de notre sadhana. And who teaches the sadhya, the goal, and then who adjusts, who refines, who fine-tunes our practice so it is fully pointing towards that goal. C'est qui vraiment nous enseigne, nous guide et affine notre pratique pour qu'elle aille vraiment exclusivement vers ce but. Hein? So, sadhanoti, the sadhu is doing sadhana, sadhayati, and he's causing us, he's refining our practice so that we are doing real sadhana also. Et vraiment, il le fait lui-même et il nous guide pour vraiment raffiner notre pratique pour que nous allions à ce but. Uh-huh. And when we come into the association of a saint, and we are very submissive, and we allow the saint to adjust our life, then that is called sangha. Et lorsque nous venons en présence d'un sadhu et que nous le laissons, nous sommes vraiment soumis à le laisser affiner notre cœur, alors on appelle ça sangha. So sangha, sang means completely, sangha-rupena. Sangha, ça veut dire complètement. Sang means complete. Sang, ça veut dire complètement. And ga means anugaman, to follow. Et ga, anugaman, ça veut dire suivre. So sangha association doesn't mean only being there. Sangha, ça veut pas juste dire être là. A mosquito also does sadhu sangha. What is the sucking the blood? Un moustique, on peut dire aussi qu'il fait sadhu sangha, mais simplement il vient là pour sucer le sang. So sangha means completely following. That means that we try to follow the instructions and the example of that sadhu outwardly and inwardly both. Sadhu sangha, sangha, ça veut dire que nous essayons de suivre les instructions du sadhu extérieurement mais également intérieurement. So now Sri Chaitanya Mahaprabhu will teach this point to Srila Sanatana Goswami. Sri Chaitanya Mahaprabhu maintenant il va enseigner ce point-là à Sanatana Goswami. He's quoting one verse spoken by Jadbharat to the king Rahugana. Il cite un verset de Jadbharat qu'il a parlé au roi Rahugana. You know, Jadbharat, he was a Paramahamsa, very highly advanced, liberated Vaishnava, but he was behaving like a dumb and mad person. Vous souvenez que Jadbharat, c'était un Paramahamsa complètement exalté, mais il agissait comme quelqu'un de niais, de stupide. So, the king, Rahugan, was traveling on his palanquin, but one of the palanquin carriers became unable to carry, became sick, so they had to enlist another person to help. And they saw, oh, here's this crazy person, he looks strong, let's get him to carry the palanquin. Vous vous souvenez que le roi Rahugana, il voyageait en palanquin, et un des porteurs, en fait, il est tombé malade, donc ils avaient besoin de trouver un porteur de secours, et il y avait Jadbharat qui était là sur le bord du chemin, et qui était très, très costaud, donc ils se sont dit, on va l'embaucher pour porter le palanquin. So the palanquin carriers, they all have to march exactly in synchronization with each other, otherwise the king's throne will rock. Alors bien sûr, les porteurs d'un palanquin, ils doivent être vraiment très synchronisés, sinon le palanquin, il commence à bouger comme ça. But Jadbharat, he was looking to see, he didn't want to step on any ants. Mais Jadbharat, en fait, quand il marchait, il faisait très attention de pas marcher sur les fourmis ou les petits insectes. So the king was saying, hey, what are you doing? Carry it properly. Le roi, il y avait des abous comme ça, et le roi, il s'est mis en colère, mais qu'est-ce que tu fais? And then again, he was rocking. Et de nouveau, il y a eu des abous. So the king got down, he said, okay, that's it. Don't you understand? I'm the king, I'll punish you. Le roi est descendu, il a dit, ok, j'en ai marre, je sais pas qui je suis le roi, comment je vais te punir. But Jadbharat was very merciful, and he gave divine knowledge to the king. Mais Jadbharat était très miséricordieux, donc il a donné
un enseignement spirituel au roi. So here's an example also of a person. They have sadhu sangha, but they are committing offense. But that Vaishnava was still merciful to that person. Ça c'est aussi un exemple de quelqu'un qui a le sadhu sangha mais qui commet des offenses, mais quand même le Vaishnava il va l'aider. Kripa sindubhya eva cha. Because Vaishnavas are ocean of mercy. Parce que les Vaishnavas sont un océan de miséricorde. So Jan Bharat said, Rahuganaita tapasana yati. Na chetya nirvapanad kriyatva na chandasa naiva jalagni surya bina mahat pararajo bishekam. He said, O king, you cannot understand the truth of your own soul. Jadbharat a dit, O roi, tu ne peux pas comprendre la vérité de ta propre âme. That means you cannot become free from the superimposition of ignorance. Ça veut dire que tu ne peux pas être libre de la superimposition de l'ignorance. Unless, à moins que, you do bina mahat parvajo bishekam, you have abhishek. You know, complete take a shower in the foot dust of a pure Vaishnava. À moins que tu te prennes une douche, tu te baignes dans la poussière des pieds de lotus des Vaishnava. D'un pur Vaishnava. Tapasana jati. You cannot become free from Maya by doing tapasa austerity. Tu ne pourras pas te libérer de cette illusion de Maya en faisant des austérités. Na chetya. You cannot become free by performing fire sacrifices. Tu ne peux pas non plus être libéré de ça par les feux de sacrifice, les yagyas. Nirvapana. You cannot become free by taking sannyas. Tu ne pourras pas te libérer de l'illusion en prenant sannyas. Because Maya is in your mind. When you take sannyas, your mind will go with you. Parce que Maya est dans ton mental, et même si tu prends sannyas, Maya viendra avec toi. You can leave your wife and children, but your mind will go with you. Peut-être tu pourras abandonner ta femme et tes enfants, mais ton mental tu l'abandonneras pas. Nirvata griyatva. Na chandasa. You cannot become free from Maya by reciting and studying the Vedas. Tu ne peux pas être libéré de Maya en récitant, en étudiant les Vedas. Na jalagni surya. You cannot become free by worshipping the sun or the fire god. Tu ne peux pas te libérer de Maya en adorant le soleil ou le dieu du feu. Or by doing austerities like a yogi, they sit in the hot blazing sun in the summertime and they light a ring of fire around them and try to overcome the dualities. Ou en faisant comme les yogis qui se mettent en plein soleil pendant la saison chaude et ils allument des feux autour d'eux pour pouvoir surpasser la dualité. If you go to Kumbh Mela, you can see. Vous allez à la Kumbh Mela, vous verrez. Have you seen? Vous avez déjà vu? So, Jadbharat said, you cannot become free from avidya by any of these things, only by taking complete shower in the foot dust of a pure Vaishnava. Jadbharat, il explique au roi, tu ne peux pas être libéré de Maya par tous ces moyens-là. Le seul moyen, c'est de baigner dans la poussière des pieds des Vaishnavas. Now you may think, oh, I know one pure Vaishnava. When he's walking, I'll go behind, I'll collect the dust, I'll put it in my water tank connected to my shower, then go in the shower, turn it on, and shh. Alors là, vous pourriez vous dire, bah tiens, je connais un pure Vaishnava, je vais discrètement aller derrière lui, ramasser toute la poussière, le mettre dans l'eau de ma douche et puis. So this is not the meaning of taking the full shower in the foot dust of the Vaishnava. Bien sûr, c'est pas la signification de se baigner dans la poussière des pieds du Vaishnava. Srimad Bhagavatam is kavya, poetry. Srimad Bhagavatam c'est kavya, c'est la poésie. So just as before we showed how the previous verse quoted by Mahaprabhu was using a poetic technique, so this is also poetry. Donc tout comme le premier verset qui avait cette technique poétique pour l'accélération, alors de la même façon, là c'est une tournure poétique. So to take bath in the foot dust of the pure devotees, what we have just been explaining, that means to completely follow the sadhu inwardly and outwardly, to let the sadhu adjust our life, our practice, our sadhana, so it's pointing towards the ultimate goal of our life. Donc se baigner dans la poussière des pieds des sadhus, ça veut dire ce qu'on a expliqué avant, c'est-à-dire être dans la compagnie du sadhu, le suivre extérieurement et intérieurement, et surtout lui laisser ajuster notre cœur et notre pratique pour que nous puissions atteindre ce but particulier. So, now Mahaprabhu,
He said, the verdict of all the scriptures is that even a moment's association with a pure devotee can give all success. Prabhu, il dit, le verdict de toutes les écritures, c'est que seul un moment de compagnie d'un sadhu, on peut atteindre le plus haut succès. So he's quoting now a verse from Srimad Bhagavatam. Actually, this verse appears twice in Srimad Bhagavatam. Ce verset, il apparaît deux fois dans Srimad Bhagavatam. Tulayama lavanapi na swargam na punabhavam bhagavat sangi sangasya matyanam kimutashisha. The prachetas are praying. Les prachetas, ils prient. The Supreme Lord has appeared before them. Le Seigneur suprême est apparu devant eux. And they're praying to the Supreme Lord. Et ils prient au Seigneur suprême. The Lord said, "I'll give you a benediction. What do you want?" Le Seigneur dit, je vais donner une bénédiction. Qu'est-ce que vous voulez? The prachetas said, "Oh, we are the residents of this world of birth and death." Les prachetas disent, oh, nous résidons dans ce monde de mort et de renaissance. So any benediction that you give to us, it will be gone in a moment. Donc, quelle que soit la bénédiction que vous allez nous donner, en fait, ça disparaîtra en un claquement de doigts. We don't want to go to heaven. Nous ne voulons pas aller sur les planètes édéniques. That is temporary. C'est temporaire. We don't want yoga cities, mystic powers of yoga. Nous ne voulons pas les pouvoirs mystiques qui sont le but du yoga. That is also temporary. Parce que c'est aussi temporaire. We don't want mukti liberation. Nous ne voulons pas mukti, la libération. Liberation is eternal. La libération est éternelle. But in impersonal liberation, there's no service to the Lord. Mais dans la libération impersonnelle, il n'y a aucune possibilité de servir le Seigneur. So what is really valuable? Donc qu'est-ce qui est vraiment de la valeur? Only bhakti. Seulement la bhakti. And where can we get the bhakti? Où est-ce que nous pouvons trouver la bhakti? Bhagavat sangi sangasya matyanam kimutashisa. They said, oh my Lord, we don't want anything, just give us one fraction of a second association with your pure devotee. Non, mon Seigneur, nous ne voulons rien, seulement une fraction de seconde de la compagnie de ton dévot. Bhagavat sangi, here pure devotee means your eternal associate. Là, ça veut dire ton associé éternel, ton compagnon éternel. Who is very near and dear to you in this spiritual world. Qui est très proche et de toi et très cher, et qui t'est très cher dans le monde. If you want to give us any benediction, just give us the benediction for a moment association with such a great Vaishnava. Si vous voulez nous donner une bénédiction, alors donnez-nous cette bénédiction d'avoir un petit moment de compagnie d'une telle personne. So Mahaprabhu is saying, sadhu sanga sarva shasti koi, lava matra sadhu sanga sarva siddhi hoi. Lava matra means a very small portion of a second, we can get all perfection. Lava matra, ça veut dire une petite portion d'une seconde, simplement ça, on peut atteindre la perfection avec un sadhu. Yat pada samsraya sutta munaya prasamayana. Sadhyo punantu paspasya swadhu napuna sevaya. Shomunaka Rishi, he said to Suta Goswami, oh, the association of a great saint like you is very powerful. Shomunaka Rishi l'a dit à Suta Goswami, oh, la compagnie d'un grand saint comme toi est tellement puissante. You can immediately purify a person. Vous pouvez immédiatement purifier une personne. Whereas, if the person will take shelter of the Ganges, they'll be purified very slowly. Alors que si cette personne prend refuge du Gange, elle sera purifiée très lentement. Why? Because in Sadhu Sangha, there is rivers and rivers of Harikatha flowing in all directions continuously. Parce que dans le Sadhu Sangha, il y a des rivières et des rivières de Harikatha qui coulent constamment dans tous les sens. So if you go to the Ganges and do Achaman, and you sip the Achaman, you become purified strongly. Donc si vous allez vers le Gange, vous faites Achaman, alors vous allez devenir purifié, mais lentement. But if you go into Sadhu Sangha and you sip the flowing river of Harikatha coming from the lips of a sadhu. Si vous allez en Sadhu Sangha et vous buvez comme ça le flot de Harikatha coule de la bouche du sadhu. Then only, oh, just a sip of that sweet Harikatha and you will have the darshan of Krishna. Juste un petit absorption de ce Harikatha et là vous aurez le darshan de Krishna. Pibantiyei bhagavata atmana satam kathamritam sravana puteshu sambritam punati thei
Vishaya vidushita ashayam brajanti tat charna sororuhantikam. Srimad Bhagavatam, it is said that, oh, those persons who drink through the cups of their ears the katamrita, nectar of Krishna katha. Bhagavatam dit, ces personnes qui boivent à travers les gobelets de leurs oreilles le nectar du katha. That katha is Bhagavat Atmanasatam. It is the discussion of the love between Krishna and his devotees who are so dear to him. They are Bhagavat Atmana. They are like more dear to him than his own soul. En fait, cette katha, c'est la discussion des échanges d'amour entre Krishna et ces personnes qui lui sont encore plus chères que son propre cœur. So when we hear about that love between Krishna and his associates, like Krishna and Yashodamaya, like Krishna and Subhava, like Krishna and Braj Gopis, oh, then it's very powerful. Lorsque nous entendons parler de cet amour entre Krishna, par exemple, et Yashodamaya, ou Krishna et Subhava, ou Krishna et les Braj Gopis, alors cette écoute, cette katha est très très puissante. And what is the power? Punanti te visha vidushita ashayam. Our subconscious mind is filled with many, many samskaras or impressions of worldly activities. En fait, quelle est cette puissance? Notre subconscient est imprégné de samskaras matériels qui viennent de nos différentes vies. In fact, every thought that comes into your mind is only an echo of a previous worldly experience. En fait, chaque pensée qui vient à la surface de notre mental est simplement un écho d'une expérience passée d'un samskara. Narad Muni said, oh Yudhishthir Maharaj, you should know for sure that the mind cannot think of anything that it has not previously experienced. Yudhishthir Maharaj, il explique que soyez sûr que le mental ne peut penser à rien qu'il n'ait déjà expérimenté avant. So here vidushit ashayam. Ashay means the subconscious mind is vidushit, polluted, contaminated with many, many impressions of sinful life and sense gratification. Le subconscient est complètement pollué par des vies et des vies de péché, de gratification sensuelle. Those impressions, moment by moment, they're coming into our mind and prompting us to just act in a worldly manner. Et ces impressions, elles remontent à la surface et elles nous poussent à agir de façon mondaine. So, punanti te visha vidushitashyam, when we drink through the ears this delicious, sweet harikatha flowing from the lips of pure Vaishnavas, then all this pollution in the subconscious mind is washed away. Alors, lorsque nous buvons cette douce harikatha qui vient des lèvres du sadhu, alors toute cette pollution du subconscient est complètement nettoyée. Brajanti tat charna sororuhantikam. And then, we go to the lotus feet of Krishna. Et alors, nous pouvons aller vers les pieds de lotus de Krishna. It is only that pollution of our consciousness that makes us have the absence of the awareness of Krishna. C'est simplement cette pollution dans notre conscience qui nous fait avoir cette absence de conscience de Krishna. Krishna is here now. Krishna est là maintenant. Mm-hmm. And when those samskaras are washed away by the flow of harikatha, then we can realize. Et lorsque ces samskaras sont nettoyés par le flot du harikatha, alors nous pouvons expérimenter ça. So Mahaprabhu here is saying the value of a moment's association with the Vaishnava can bring all perfection. C'est pour ça qu'il est dit qu'un moment de compagnie d'un Vaishnav peut nous faire atteindre cette perfection. So the example is given of one Brahmin named Jana Sharma. Il y a un exemple d'un Brahman qui s'appelait Jana Sharma. He met with Gop Kumar. Il a rencontré Gopa Kumar. And Gop Kumar was telling him very beautiful harikatha. Et Gopa Kumar lui récitait des très belles harikatha. About how he himself became a coward boy in the spiritual world named Sarup. Et sur comment lui-même il est devenu un petit pâtre dans le monde spirituel qui s'appelait Sarupa. And he saw Krishna was returning from the meadows with all the coward boys and the cows. Et il a vu Krishna revenir de la forêt avec tous les petits bergers et les veaux.
And when Krishna saw him, he said, "Oh, my friend," and he embraced him. Comment quand Krishna il l'a vu, il a dit, "Oh, mon ami," et il l'a embrassé. And Krishna was in so much ecstasy meeting with him that the two of them fainted and fell on the ground in embrace of each other. Et Krishna était tellement en extase de retrouver son ami qu'ils sont tous les deux tombés inconscients sur le sol. After some time, Krishna came back to external consciousness. Après quelque temps, Krishna est revenu à une conscience externe. And then he entered into the Nanda Bhavan. Et il est rentré dans la maison de Nanda Maharaj. So when he returned back, so he was quite dusty. Quand il est revenu, Krishna il était plein de poussière, il était poussiéreux. So some manjaris were there, some maidservants of Radharani. Certaines manjari, les servantes de Radharani. Mother Yashoda was bathing Krishna and washing off the dust. Mère Yashoda, elle douchait Krishna pour enlever la poussière. But then she thought, if I spend my time doing this, then the prasadam will be late. Mais elle s'est dit, si je suis occupé à doucher le petit Krishna, je ne pourrais pas préparer le prasadam. So Mother Yashoda told those manjaris, "Oh, you come and finish Krishna's bathing and decorating." Et donc Mère Yashoda dit aux manjari, tiens, venez finir de doucher Krishna et décorer le. And Mother Yashoda went into the kitchen. Mère Yashoda est partie à la cuisine. So then the maidservants of Radharani, they were massaging Krishna with oil. Alors les servantes de Radharani, elles massaient Krishna avec de l'huile. Oh, very nicely. De façon très very softly. Très belle, très douce. And but Krishna is very funny. So even though they're touching him very softly, he was going, "Ow, ow, ow." Krishna, il est tellement esquivé et rigolo que même si c'était un très bon massage, il dit, "Aïe." Mother Yashoda put her head out of the kitchen. "Hey, what are you doing to my boy?" Alors Yashoda est sorti. Mais qu'est-ce que vous faites à mon petit Krishna? And then she saw, oh, he was joking. Et elle a vu tout de suite, il est en train de rire. And then when they finished bathing and massaging Krishna, then Krishna went and honored prasad. Et quand ils ont fini de baigner Krishna et de le décorer, alors Krishna a pu aller honorer le prasad. Because it's been offered to Nanda Maharaj's deity of Lodhari. Parce que le prasad avait été offert, enfin l'offrande a été offerte aux déités de Nanda Maharaj qui est Narayan. So Gokumar was telling to Jana Sharma how he had become perfect and went to the spiritual world and saw all these beautiful pastimes. So Gokumar disait Jaya Sharma comment il avait atteint cette perfection et qu'il avait vu cela à Golok Vrindavan. But Jana Sharma was listening, but he was not realizing it. Jaya Sharma il l'écoutait mais il ne réalisait pas ça. So then Gokumar thought, "Oh, Mangalam Bhavatu," and he put his hand on his head and blessed him. Et donc Gopakumar a dit, "Ok, Mangalam Bhavatu," il a mis sa main comme ça, il l'a béni. And at that moment, Jana Sharma felt himself going past the heavenly planets, through the coverings of the universe, past Vaikuntha, and he arrived in Goloka Vrindavan. Et là, Jaya Sharma, à ce moment-là, il s'est senti décollé, passé à travers les planètes édéniques, l'écorce de l'univers, les planètes Vaikuntha, et fou, il est arrivé à Goloka Vrindavan. And he was in his eternal spiritual form, with his spiritual master, in the form of a coward boy in front of him there, in Goloka Vrindavan. Il était dans sa forme spirituelle, avec son maître spirituel, dans sa forme de petit pâtre, à Goloka Vrindavan. So that's the meaning of this verse, lava matra sadhu sangha sarva siddhi hoy. In a split second, you can attain all perfection. One second, you can go to Goloka Vrindavan. Et donc, c'est ce que veut dire ce verset, que en vraiment une seconde, vous pouvez atteindre Goloka Vrindavan. Now I can hear some of you are whispering in your heart, right? What is my project? J'ai vu que certains dans leur cœur sont en train de. Qu'est-ce qu'il y a? How is it possible? Comment est-ce que c'est possible? That's inconceivable. C'est inconcevable. Yes? Si. So to answer that whisper in your heart, Sanatan Goswami said, Mahat Sangam Mahatvam Evaitat Param Adbhutam Kritartayena Viprasau Sadyo Bhutat Surupavat. The power of Mahat Sangha, association of pure devotees, is Param Adbhut. That is supremely amazing. Sanatan Goswami, pour répondre à vos doutes, il dit que la pouvoir de cette sangha est param abut, c'est complètement incroyable. It is so powerful, it is inconceivable. C'est tellement puissant que c'est inconcevable. It is so powerful
that it's impossible to be that powerful, but still it's possible. Inconcevable que c'est impossible que ce soit concevable, que ce soit possible, mais c'est quand même possible. Even though the scriptures have described the power of Sadhu Sangha, they could not actually describe how powerful it is. Et même si les écritures ont tenté de décrire la puissance du Sadhu Sangha, elles n'ont pas réussi à décrire vraiment ce que c'est Sadhu Sangha. It is beyond your calculation or imagination. C'est au-delà de notre calculation ou notre imagination. So Mahat Sangham Mahatmyam Evaitad Parama Adbhutam. It is supremely astonishing. C'est suprêmement inconcevable, surprenant. Kritata Yena Vipraso, that Brahmin Janasharma became Kritata perfect. Ce Brahmin Janasharma est devenu parfait. Sadhyo bhutat surupavat. Sadhyo means immediately he attained a spiritual form just like his Gurudev. Ça veut dire que immédiatement il a atteint sa forme spirituelle comme son Gurudev. So Sri Chaitanya Mahaprabhu is explaining all these things to Sanatana Goswami. That's why Sanatana Goswami has explained this verse I'm quoting now in Brihad Bhagavatamrita. Donc, Sanatana Mahaprabhu il explique à Sanatana Goswami, et c'est pour ça que Sanatana Goswami, dans son Brihad Bhagavatamrita, il a cité ce verset que je viens de. And Sanatana Goswami is also experiencing it. Et Sanatana Goswami, en plus de ça, il l'expérimente. Because Sanatana Goswami is himself experiencing. Oh, I am Labhanga Manjari. Et parce que Sanatana Goswami lui-même il expérimente. Oh, je suis Labhanga Manjari. The elder sister of Rupa Manjari. La grande sœur de Rupa Manjari. So this is the power of Sadhu Sangha, that we attain our eternal spiritual form and services to Radha and Krishna. Ça c'est la puissance du Sadhu Sangha, que nous pouvons atteindre notre forme spirituelle éternelle et atteindre le service de. So what are we discussing? What's the subject we're discussing? Expectation. Donc nous parlons de quel sujet? De l'espoir. Don't come to Sadhu Sangha expecting to just collect some information. Ne venez pas en Sadhu Sangha simplement dans l'espoir d'avoir quelques nouvelles informations. Don't come to Sadhu Sangha thinking that you will just be entertained by some stories. Ne venez pas au Sadhu Sangha pour vous dire tiens je vais être diverti par des belles histoires. Come to Sadhu Sangha with high expectations. Venez au Sadhu Sangha avec des très hauts espoirs. If I will hear from the core of my heart with great honor, then si je peux entendre du fond de mon cœur avec un grand honneur, alors. Lava matra sadhu sangha sarva siddhi hoy. All perfection can be attained. Toutes les perfections peuvent être atteintes. Sila Gurudev ki jai, Gopal ki jai, Hare Gaur Premanande. Amen.